Pas magnifier le passé, mais il faut le concevoir comme une ressource dans laquelle nous pouvons aller puiser pour faire face aux maux du présent. Mais le fait de se tourner vers enfin, de prendre en compte les enseignements du passé pour faire face aux maux du présent, ça ne veut pas dire que le présent est épouvantable par rapport à un passé qui serait idyllique. On se sert là du passé non pas comme une référence idyllique, mais simplement comme une ressource qui va pouvoir peut-être nous donner un certain nombre d'idées pour faire face aux maux du présent. Et justement, là, effectivement, il faut faire attention de ne pas vouloir non plus transposer directement des modes de vie passés à l'intérieur du présent, parce que les conditions ayant changé, les choses ne sont pas directement transposables. Et c'est là, justement, où, effectivement, il y a une erreur qui peut se retrouver chez certains traditionnalistes, qui voudrait face répondre aux difficultés du présent en se repliant sur des solutions du passé telles quelles, si vous voulez, simplement transposées. Mais sauf que comme l'environnement a changé, ces solutions-là ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Et ce qui est terrible dans cette forme de traditionnalisme, c'est qu'elle est à l'opposé de la véritable tradition. Alors, elle représente une rupture traditionnelle. Alors, un exemple caricatural de cela, on le voit aujourd'hui dans un certain islam salafiste, c'est-à-dire que par rapport au désarroi engendré par une transformation très brutale de sociétés traditionnelles dans le monde musulman, une réponse pour faire face à ce désarroi, c'est de dire on va revenir à un islam pur des origines non adultérées. Et là, c'est vraiment une réponse traditionnaliste, mais qui en fait fait fi de 12 siècles de véritables traditions. Et donc en fait, ce que font ces traditionnalistes, c'est se couper complètement en réalité de la tradition pour la remplacer par un islam des origines fantasmé. Bon, là, c'est un exemple particulièrement net, mais dans lequel on est toujours, tout un chacun est susceptible de tomber, lorsque pour répondre à un problème, on n'utilise pas le passé comme une ressource, mais comme une solution. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose de dire, voilà, on va aller prendre dans le passé avec un petit bloc et puis on va le mettre. Le passé, c'est pas comme ça qu'il peut nous inspirer. Mais en revanche, il peut être une ressource. Et la tradition, par exemple, est toujours pour nous une ressource. Et là, on peut reprocher quand même justement à la modernité de ne pas du tout avoir tiré assez parti des ressources que nous donne la tradition. Mais mobiliser ces ressources ne veut pas dire se transplanter tel quel ce qui a pu exister par le passé, essayer de l'acclimater directement ici. Et puis par ailleurs, il y a aussi une autre chose que je voulais signaler, c'est que ça m'avait beaucoup frappé chez Ivan Illich, qui est extrêmement critique du monde moderne, mais en même temps qui n'est pas du tout un réactionnaire. Et finalement, on s'aperçoit que sa critique du monde moderne, ce n'est pas un rejet en bloc de la modernité, c'est en fait d'une certaine manière prendre au sérieux les promesses de la modernité et critiquer la modernité au nom même de ce qu'elle a prétendu réaliser pour lui dire bah, qu'elle n'est que ce à sur quoi ça avait abouti ne répondait pas aux promesses. Mais d'une certaine manière, le reproche est une manière aussi d'assumer la modernité. C'est-à-dire que
Il y a une promesse aussi à l'intérieur de la modernité, d'émancipation, d'épanouissement, de fécondité de l'être humain, qu'on n'a pas forcément envie de passer par pertes et profits. Mais simplement, si on s'aperçoit qu'au bout de 2 ou 3 siècles, les voies qu'on a empruntées pour essayer de répondre à cette ambition s'avèrent décevantes, eh bien, il faut peut-être en changer, mais sans perdre de vue cet idéal. Et donc, en fait, à ce moment-là, on n'oppose pas simplement la modernité à un monde traditionnel qui serait meilleur. C'est de se rendre compte que la modernité, pour essayer de réaliser son programme, a imaginé que plus elle romprait avec la tradition, plus justement ce programme serait réalisé. Peut-être qu'on se rend compte aujourd'hui que raisonner comme ça n'était pas la bonne manière de faire. Mais donc du coup, en l'occurrence, se retourner vers la tradition, ça n'est pas pour éliminer ce qui s'est passé pendant la modernité, mais c'est au contraire pour essayer de reprendre l'ambition moderne de manière à ce que ces idéaux se réalisent mieux qu'ils ne l'ont fait jusqu'à aujourd'hui.